L'envolée des athlètes français au championnat d'Europe d'Helsinki. Les quatre sportifs appartenant à des clubs franciliens ont largement contribué à ce joli palmarès des deux derniers jours. Béatrice Pignède. Ils ont eu chaud, les Français médaillés d'argent aux 4 x 400 messieurs. D'abord disqualifiés, ils ont finalement pu faire entendre leurs réclamations. Au cœur du litige, ce passage du deuxième relais que Jean-Louis Rapnouille aurait anticipé. Peut-être a répondu l'incriminé, mais c'était la faute au juge qui n'était pas là pour placer les coureurs correctement. La bousculade n'entache en rien la superbe deuxième place des Français enlevée par le franc-convillois Stéphane Diagana, déjà médaille de bronze jeudi aux 400 mètres haies. Diag, Stéphane, après le bronze, l'argent, je veux dire que ça se passe quand même vraiment bien. Oui, ça se passe pas trop mal. On espérait jouer quelque chose sur ce 400 mètres. Les filles ont un super relais. Nous, on a un bon relais, à nous de le transformer en super relais la prochaine fois. Notre deuxième médaillée inscrite dans un club de la région parisienne n'est rien moins que la reine Marie-Josée Pérec. Licenciée au Stade français dans le 16e arrondissement, la triple championne d'Europe, du monde et des Jeux olympiques aux 400 mètres a en plus apporté la médaille d'or aux 4 x 400 mètres féminin cet après-midi à Helsinki. Une victoire assortie d'un nouveau record de France dont Miss Goldfinger solidaire ne veut pas s'attribuer tout le bénéfice. Surtout les filles, elles ont fait un super parcours et c'est vrai qu'elles m'ont donné le tournant de tête, donc il restait qu'à gagner, voilà, et je les remercie. Ce sont les Anglais et les Russes que nos deux athlètes, des Ulysses dans l'Essonne, Jean-Charles Trouabal et Daniel Sangouma, ont dû remercier hier après-midi aux 4 x 100 mètres. Après la disqualification des deux favoris, les Français n'ont eu qu'à décrocher l'or, ce qui porte à 9 le total des médailles françaises au championnat d'Europe d'athlétisme. Oh!